Pourquoi innover? C'est surtout au départ une volonté de faire d'un échec une réussite. Ça fait 4 ans, moi, j'ai travaillé à l'élaboration du projet. Et là, cette année, on a gagné le trophée. Donc, ce que ça nous apporte, c'est une reconnaissance, une fierté de se dire, ouais, on a travaillé longuement, mais derrière, on a vraiment la chambre des métiers et on est reconnu par nos pairs. Donc, c'est vraiment une belle récompense. Mais à la base, je ne pensais pas être un inventeur ou innover. Cette remise de prix ce soir nous permet d'être beaucoup plus confiants pour demain matin et de continuer. Dans le même sens, c'est-à-dire de progresser, de construire et de fabriquer. Ce titre, pour mon équipe, pour mes salariés, c'est quelque chose de rassurant. L'innovation, l'invention, ça se construit, et dans le cas présent, ça se construit sur une idée où on est en rupture avec le passé. L'artisanat, c'est la tradition, mais il y a des moments où il faut amener de l'innovation pour pouvoir construire notre avenir et ne pas subir celui des pays étrangers. Dès lors qu'on a des idées à mettre en avant, il faut pas avoir peur, hein. Il faut aller au bout des choses, tout simplement, et puis oser y aller.